Avec le nouveau Vosges R125, le constructeur chinois met un point d'exclamation sur les motos nues à un B196. Pourquoi ? Parce que cette moto légère ne coûte que 3199 € et que les concurrents sont nettement plus chers. Que vous deviez vous passer de quoi que ce soit à cause de cela, Marcus et Dietmar l'ont vérifié lors d'un essai routier approfondi. Les 125 sont souvent étonnamment chers, du moins c'est ce qu'elles ressentent souvent par rapport aux motos plus grandes. La KTM 125 Duke, leader de sa catégorie, coûte par exemple 5350 €, la Yamaha Mont 125 même 5749 €. Étant donné que de nombreux acheteurs de ces machines à un sont très jeunes et disposent d'un budget serré, ces prix sont bien sûr doublement pénibles. C'est une bonne chose que Vosges propose désormais la R125, une moto nue très respectable pour seulement 3199 €. Les trois couleurs sont le bleu, le noir et le noir jaune. Le design de la Vosges R125 nous rappelle un mélange de Yamaha et de Suzuki, en tout cas, la Vosges est très élégante et doit se cacher de ses concurrents, Dieu le sait. Un beau bras oscillant, un échappement sous le plancher, de jolis éléments légers à l'avant et à l'arrière, un cadre en tube d'acier peint en noir maté, surtout, une face avant au design sportif, surtout dans la version bleue que nous avons testée, la Vosges a vraiment fière allure, voir aussi la galerie de photos ci-dessus. Dimension et ergonomie de l'assise cependant, la machine s'est avérée un peu trop petite à notre goût. Moins de 2 mètres de long et un empattement de seulement 1,31 mètres sont déjà un défi pour les personnes à partir de 1,85 mètres. Il est donc exigu pour le conducteur et surtout pour le passager avant. Cependant, il faut dire que c'est le cas de presque toutes les machines de 125 cm3. Pourquoi ? Les fabricants supposent-ils que les conducteurs à un sont plus petits que les motocyclistes avec un permis de conduire de grande taille ? On peut supposer que de nombreux sujets de test à 1 et B196 recherchent désespérément une moto qui offre plus d'espace et, surtout, qui n'est pas immédiatement reconnaissable comme une machine à 1, du moins de loin. Alors, chers fabricants, pourquoi ne pas construire un Cent 25 grand et pourtant léger ? Il vous serait probablement arraché des mains. Le Vosges R125 dispose d'un cockpit LCD coloré et facile à lire avec indicateur de vitesse, indicateur de niveau de carburant, jauge de température, ordinateur de bord et, bien sûr, compteur de vitesse et de régime. Même la consommation moyenne et la tension de la batterie sont affichées, pas mal. Comme d'habitude, il n'y a pas d'assistant technique avec le 125. Mais cela ne vous dérange pas, car avec 15 chevaux, qui a besoin de capteurs d'angle d'inclinaison, de contrôle de cabrage ou de contrôle de traction? Au moins, il y a un ABS à deux canaux à bord et Vosges a également pensé à une prise USB facilement accessible sous le cockpit pour le smartphone. Nous trouvons le design de la lampe de la Vosges R125 particulièrement réussi. De l'avant, cela rappelle une monte de Yamaha, de l'arrière, cela pourrait aussi être une petite Ducati, vraiment chic. Toutes les lampes sont à technologie LED, y compris les feux de jour et les clignotants. Bien sûr, le moteur de la Vosges R125 provient de la société Merlon-Saint, qui fournit également les moteurs des modèles BMW F, par exemple. En d'autres termes, ils peuvent construire des moteurs. Ici, il s'agit d'un moteur à cylindre 4 soupapes développant 15 chevaux à 9500 TR/min et 12 NM à 8500 TR/min. Bien sûr, il ne faut jamais s'attendre à des performances passionnantes de la part d'une 125, mais au moins la R125 ne s'en sort pas moins bien que ses concurrentes, ce qui est probablement aussi dû au faible poids de seulement 134 kg. Si nous avons eu du mal à atteindre les 100 km/h dans l'un ou l'autre essai d'une 125, ce n'est pas un problème avec le Vosges. Il roule facilement un peu moins de 120 km/h selon le compteur de vitesse, la vitesse de pointe officielle est de 110 km/h. On peut supposer que ce n'est pas tout à fait sans importance pour les jeunes conducteurs, car si vous êtes autorisé à frotter avec seulement un maximum de 15 chevaux, cela devrait au moins être aussi rapide que possible. Et c'est exactement le cas avec le Vosges R125. Les autres composants tels que la suspension, la boîte de vitesse et les freins n'ont pas déçu non plus. Il faut beaucoup changer de vitesse pour prendre les virages rapidement, mais la boîte de vitesse est vraiment amusante avec des changements de vitesse simples et précis. Heureusement, le Vosges R125 n'est pas trop doux, même à 84 kg, il est sportif et pas spongieux. C'est amusant et à 16 ans, je n'aurais certainement pas été relégué pendant des jours. D'ailleurs, ma première moto était une Honda MTX 80 en 1982 avec près de 10 chevaux, elle n'était probablement que deux fois moins rapide que la Vosges, même si je m'en souviens différemment. Le châssis se compose d'une fourche inversée non réglable, mais très encombrante, et d'un amortisseur central, qui est réglable en précharge du ressort. Les pneus proviennent du fabricant chinois, Helio, qui nous est inconnu jusqu'à présent.
Comme il pleuvait tout le temps pendant nos essais et que nous n'avons jamais glissé, ces pneus semblent corrects, au moins ils s'adaptent bien à la R125. Faible coût du Vosges R125 enfin, je voudrais dire quelques mots sur les coûts. Le Vosges R125 ne consomme que 2,3 litres au 100 km. Cela contribue à une bonne autonomie, 435 km, et, surtout, est facile pour le portefeuille à la station-service. Le premier entretien est dû après 1000 km, tous les autres services tous les 10 000 km, c'est-à-dire à peu près les cycles habituels. L'assurance coûte 50 à 70 euros par an, les taxes sont de 0 euros. En d'autres termes, conduire un Vosges R125 est vraiment bon marché, même si vous vous offrez un véhicule neuf. Le Vosges R125 est un bon vélo nu et surtout pas cher pour les pilotes A1 et B196. Il a l'air élégant et est équipé techniquement d'une manière standard dans sa catégorie. Grâce à son faible poids et à son moteur de 15 chevaux, une moto a un peu se déplacer plus rapidement que prévu. Parmi les autres points forts, citons un cockpit LCD coloré avec de nombreuses informations, un échappement sous le plancher au son granuleux ainsi qu'un très bel éclairage LED à l'avant et à l'arrière. La question de savoir si les petites dimensions conviennent à un conducteur de grande taille ne peut être évaluée que lors d'un essai routier ou au moins lors d'un essai routier. Comme tous les autres 125, le Vosges R125 est assez petit. Alors, allons chez le croupier et asseyons-nous sur la petite fusée amusante. Ab geht der Fuchs! Jawohl! Immer schön auswringen das Ganze. Und 100! Jawohl! Im fünften Gang. Ich lasse einfach mal laufen, mal sehen, wie die Höchstgeschwindigkeit so ist. 110, immerhin schon mal 110. 12, 113, ein bisschen kleiner machen, 116, 117, na komm, einen schaffen wir noch, 118, 3, 2, 1 und los geht's. Okay, da tut sie sich ein bisschen schwer, klar. Machen wir auch mal ein bisschen kleiner hier. Komm, eben ging es uns so gut. 100. Okay,